4 ans après la mort de Johnny Hallyday, sa musique reste dans la tête du grand public. Après un album posthume sorti après sa mort, en 2018, intitulé Mon pays si est-il amour, Universal Music dévoile un titre inédit datant de la fin des années 70. Un véritable cadeau aux fans de la star, morte le 6 décembre 2017 à Marne-la-Coquette, à 74 ans. La maison de disques a diffusé le spécialiste, chanson enregistrée et interprétée pour le film du même nom signé Sergio Corbucci et tournée en 1969. Un western spaghetti dans lequel il tenait le rôle principal face aux comédiens Françoise Fabian et Gaston Mauchin. Toutefois, nulle trace de ce film dans les salles obscures, il n'a finalement jamais été diffusé et la chanson n'avait pas paru à l'époque. Car Universal Music France est propriétaire de l'ensemble du répertoire de Johnny Hallyday enregistré entre 1961 et 2005. Ensuite, la Warner Music avait pris le relais et édité ses derniers disques. À la mort du chanteur, les maisons de disques se sont par ailleurs mis à proposer une panoplie de coffrets collector et de rééditions d'albums de Johnny Hallyday. La mort de Johnny, icône du rock dans la soirée du 5 au 6 décembre 2017, et après un long combat contre un cancer du poumon, Johnny Hallyday a rendu son dernier souffle à l'âge de 74 ans au sein de la Savannah, sa demeure de Marne-la-Coquette. Il laisse derrière lui 4 enfants, David, fruit de son amour pour Sylvie Vartan, Laura, qu'il a eu avec Nathalie Baye et Jade Joy avec sa dernière épouse, Laetitia Hallyday. Loading Widget.